Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous expliquer aujourd'hui comment insérer une liste des tableaux et une liste des figures sur le Word. Je commence. J'ai pris un exemple, j'ai pris la première page, j'ai mis de tableau, et dans la deuxième page, j'ai mis de figures, juste pour vous montrer comment les insérer. Je vais cliquer tout d'abord sur CTRL plus Entrée pour laisser une première page où je vais écrire la liste des tableaux et la liste des figures. Je vais la refaire double fois, CTRL et Entrée. Donc voilà, j'ai déjà deux pages qui sont vides. Dans la première page qui est vide, je vais écrire liste des tableaux. Et dans la deuxième, ou dans la même, je vais mettre liste des figures. Très bien. Alors, voilà mes tableaux. Je clique sur le premier tableau et je vais lui donner un titre. Je clique ici. Insérer une légende. Puis je vais choisir tableau. Ensuite, je vais écrire le titre du premier tableau. Je vais mettre juste des X. Je clique sur OK. Pareil pour le deuxième tableau. Je vais cliquer par la droite. Je clique sur insérer une légende. Je donne le titre du deuxième tableau, par exemple je vais mettre Y, et je clique sur OK. Et voilà, le titre du deuxième tableau est inséré automatiquement. Pareil pour les figures, je clique sur la première figure par la droite de la souris, je clique sur insérer une légende, par contre cette fois-ci je vais choisir figure. Je nomme la première figure, par exemple, et je clique sur OK. Et voilà, le titre de la première figure est inséré en dessous de la première figure. Pareil pour la deuxième figure, je clique par la droite, insérer une légende. Figure 2, je donne un autre titre et je clique sur OK. Voilà, le titre de la deuxième figure est inséré. Maintenant, j'ai par exemple sur tout mon document, tous mes tableaux et toutes mes figures, sont titrées. Ce que je vais faire, par exemple, sous le titre liste des tableaux, je vais cliquer sur référence et je clique sur insérer une table des illustrations. Je clique, je vais choisir ici dans la légende, je vais choisir tableau et je clique sur OK. Et voilà la liste des tableaux, j'ai le tableau 1, le tableau 2, les deux sont sur la page 3. Je continue sous le titre liste des figures, je clique toujours sur référence, insérer une illustration. Cette fois-ci, je vais cliquer sur figure et je clique sur OK. Et voilà, mes deux figures sont insérées sur le Word automatiquement avec bien sûr leur page.